Allez, on va se préparer à la découverte de une ou deux grottes qui n'ont pas été fouillées à 100% de ce que j'ai pu lire sur Grotto Center et à divers endroits sur internet. Donc on se prépare et on va y aller. Je voulais passer un petit peu en voiture, mais hélas, voilà, donc propriété privée, pardon, accès interdit, donc il va falloir faire 2 km à pied. Allez, on y va. Donc ici c'est un ancien chemin de fer qui se transforme en chemin et qui est une propriété privée. Alors ça doit appartenir certainement à la mairie, je n'en sais rien. Voilà, il y a un ancien pont, on peut voir les marquages encore. Il y a encore des poutres de bois. Voilà, on n'est pas arrivé, hein? Ça me rappelle un certain Sébastien. Tout le temps en train de manger. Bon, du coup j'aime bien. Et merci. Voilà, on n'est même pas arrivé que déjà on mange. Bouché. C'est bouché. C'est dommage les concrétions là. C'est bien que c'est ça. Ça débouche? Merde! Ah, ah. Y'a pas d'araignée? Je sais pas. Allez! Ouais. Je sais ce que j'ai eu tout hier. On peut y aller là-bas? On peut, hein. Ça peut être bien, hein. Là-bas à droite. Je vais voir. Ah si, il y a un truc là-dessus. Ah si, là on peut passer. A priori. Et la casse. ça s'écroule. Hein? Je sais pas. Non, il n'y a plus rien. Là, on voit que ça a été fouillé. Non. Attention, j'arrive. Attends, il est là-bas. Là. Et à gauche. Y'a rien? On va attendre, on va essayer de voir. Ah, je vois ta lumière à gauche. Là? Ouais. Non, ça monte en hauteur en fait. Bah ouais, bah c'est peut-être ça. Hein? De quoi? Hein? Il y a un lutin, il pourrait faire la miniature. Attends. J'arrive. Il est chaud ici. Bah oui. Ah ouais, mais non, ça passe pas. Voilà. Non, une diaclase. Ça vaut le coup là-bas de couper. Hein. Et en haut, ah non, il n'y a rien. Bon. Ah, il y a des os. Il a plaie. Ouais. Ouais. C'est peut-être qu'on mord un truc. Il y a un truc est mort. Le caillou, il s'est. Il prend le caillou et c'est comme s'il était. C'est bizarre. T'imagines, il s'écrase là? Ouais. Il n'a plus de tête. Allez, enfonce-toi dans le trou, bordel. Allez, dépêche-toi là. Allez, là, cette jambe elle traîne là, bordel. Ah, pose-le. Ah, bravo. On peut pas là. Bah, regarde. Mets-toi à plat ventre déjà, les mains en avant. T'es plus petite que moi, donc si on peut dégager quelques pierres à la limite. Mmh. Enlève-le, pose-le au sol. Tant que tu passes pas. T'es sûr? Hein? Si c'est trop étroit pour toi alors. Ah non, alors ça va, tu vas là. Montre, laisse ton casque, décale-toi. Fais gaffe à la tête. Ah mais y a rien après ou hein? Ouais, tu devrais aller voir quand même. Attends, je vais y aller alors. Bah si. Regarde ton téléphone derrière. Bon, un peu déçu de la première visite qui n'a pas donné grand chose, si ce n'est une salle moyennement basse ainsi qu'une salle beaucoup plus haute mais qui ne donnait nulle part. De toute façon, vous l'avez vu certainement sur la vidéo déjà. On a trouvé un autre trou hein, que vous avez pu voir également, mais je ne passais pas dans l'étroiture en forme de V à l'envers. Et Déborah ne passait pas non plus. Du coup, on a laissé tomber parce qu'on n'est que deux. Et en principe, on sort à trois. Mais bon, là, on sort en couple. Hein, et du coup, ben, par mesure de sécurité, on n'est pas allé plus loin. En plus, il pleut. Mais bon, ça nous fait pas peur. Par contre, il faut savoir où on va. Et là, ce serait à droite, parce que nous allons ici, de ce que j'ai repéré. Voilà, le petit point rouge, je ne sais pas si vous voyez bien. Et nous sommes là. Allez. En plus, il pleut de plus en plus fort. C'est pas terrible, parce que les combinaisons ne sont pas imperméables. Déborah un peu? Non. Et là on cherche la grotte qui est censée être préhistorique. Donc on verra bien si c'est beau, si ça va loin. Je pense pas. Moi je pense que c'est juste une caverne. Après il faut y aller pour être sûr. Bon, on est arrivé pas loin de la grotte, mais bien sûr je ne sais pas où elle est du tout. Il va falloir très certainement traverser la rivière. Ça a l'air magnifique là-bas, il y a une cascade, on peut voir. Alors je pense pas que vous le voyez à la GoPro. Maintenant il faut rechercher la grotte. Et moi je pense qu'elle est de l'autre côté. Donc on va traverser en direct. Soit là-bas. Ou soit là. On va essayer là. Je suis pas trop serein. Hop là. Bon, je pense que c'est une très... Oula. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée là. Je vais essayer de marcher là pour voir. Oh putain. Ah. Oh putain, c'est trop tard. Oh sa mère. Ah oh, la putain le fake de merde. Bon, elle est bonne. Ouais, c'est bon. Non, il faut que tu sautilles, marche sur la pierre. Bon, ça passe quand même, mais bon. C'est la pierre qui m'a fait glisser. Tu vas m'assurer l'endroit. Vite tes bottes, elles sont pleines. Non, lève ta jambe, vers le cul, vers le cul. Voilà. Ça va? Elle est fraîche, hein? Ah là là. Bon, ça traversait un peu, mais bon. Moi. Ah. Elle a dû passer par là-bas, je crois, en fait. Bon, c'est peut-être là qu'il parlait d'un escalier, mais je sais pas. Ouais, il se peut que ce soit vers le haut là. Bon voilà, on a fait le tour, on a trouvé la grotte préhistorique. On est rentré un petit peu mais sans plus parce que Déborah a peur des grosses araignées. Pour le coup, moi un petit peu aussi. Donc vu qu'il faut être deux minimum pour visiter, enfin même trois je dirais, on a arrêté là. On est trempe, je suis trempe, Déborah aussi, elle a froid. Donc on rentre et on va repasser l'épreuve de l'eau. Donc ben, on va repasser encore une fois, je pense. C'est parti hein. Allez, on fait ça intelligemment. Là, faire gaffe parce qu'il y a du courant. Oh, putain, c'est bon. Oh, elle... Non mais elle a pas de chance elle. C'est bon, je suis déjà mouillée. Moi je me suis pas trop mouillé mais elle. Voilà donc on rentre. Par contre voilà ça c'est bib, hein, je le sens. J'ai ma sous-combinaison qui pompe toute l'eau, j'ai mes chaussettes qui pompent toute l'eau. Mais j'ai les bottes sèches, en tout cas on dirait à l'intérieur. Bon pour le coup on n'a pas beaucoup de chance. On reviendra je pense sans les araignées. Voilà mais je reviendrai avec 2-3 collègues de l'association où je suis pour regarder un peu tout ça. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Sans doute pas parce qu'il y a marqué inconnu dessus, la grotte inconnue. Donc si personne n'a pris la peine de s'intéresser à cette cavité, c'est que sans doute il y a une raison, mais la raison je ne la connais pas, mais je reviendrai quand même. Voilà parce que je reste un peu sur ma faim sur cette cavité et franchement je le ferai quand il fera soleil parce que c'est, il y a presque 45 minutes d'approche si c'est pas plus et du coup ben ouais c'est un peu chiant quand on est bien trempé comme je le suis, comme Déborah l'est. Donc on rentre, voilà ça fait quelques heures qu'on est dehors quand même, pour un dimanche c'est pas trop mal, surtout avec Déborah, c'est pas trop son truc à 100%, voilà. Bon j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, donc le pouce bleu c'est le pouce en l'air, laissez votre commentaire, ça me fera très plaisir, moi je vais encore marcher. Je vais me changer pour la voiture. On va rentrer et se sécher. Salut à tous, à bientôt.